sazana boboy. Amen. Asale la yo bola munae na kobona Yesu Kristo. Amen. Sala. Soye to bineli ete awa. Toke de soko binela yo wapi. Ya moto lo baba. Moto ya boya ka kobine na Nzambe awa azana bisika na ye. Amen. Oya ke de kobina. Ah? Mais puis ça sur la bisikate. Vous avez les sikamoko dans la parole. Les places bisoto yembe la ga peto bine la ga kolo. Kolo azwa loko. OK. Nandi misa pe la suksa mi kenenge o bine le pe o yembe le akolo bela o di loba ya solo. Di lobo e ko kangola. Di lobo e ko bikisa. Di lobo e ko pambola. Di lobo e ko batela yo. Il ne peut pas être un peu de temps. Je dis ça pour tout. C'est un Zambé, à Théaïo, Zambé, la compagnie de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tant que vous pouvez être au Gadi Lobanayo. Le Sambo Langa, le Kola Mouana Nayo, le Kola Mouye Koli Nayo. Mais ça va l'itoy, où il y a mouillé qu'on dit la sorte. L'itoy, où il y a pas de naïo. Bon, ça m'a bien monté ma langue, où il y a ma bébé qui toque. Où il y a dit, taïa, il y a un peu de temps, mon moto. Pour la succède, il y a un peu de temps, il y a une bonne semence. Écoute, après monté ma langue, il y a une bonne terre. Pour être à où il y a une compatibilité, il y a un peu de temps. Mariage et ça les macolos avaient la bolingo afin qu'il y ait le banaco yoka et même la gagnon sur les alliés nécessaires pour la lobby qu'on a gagné n'aïke que les alliés qu'on a petit biki n'a gagné n'aïke que oyo colo coquissa n'yon sur pour la locum naïo ça les lamons pour ça n'a l'eau puissamment n'a comme on a eu colo mon coche et mon mix n'a bisou et sous Christo n'a l'eau merci. Amen. Ok, sans plus tarder, tout le Messie, mon sakodi, et l'ongona, mon bongo li kota, koya kote abiso sangobalam na seko. La paix de Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous. Jésus-Christ qui nous a donné ce jour l'a fait pour notre bien. Il faut croire dans ta vie si le Seigneur t'a donné un jour, c'est qu'il a des choses à accomplir dans ta vie. Et c'est lui qui te connaît plus que toi-même. Et il nous accorde beaucoup de bienfaits innombrables. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Surtout pour la parole qu'il nous donne. Nous continuons l'enseignement sur cette zone. Continuons notre enseignement sur les sept sceaux. Vous allez dans le quatrième sceau. Nous sommes dans le quatrième sceau. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Dans Apocalypse 6, le verset 7 à 8, nous allons les lire. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Apocalypse 6, le verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi na kombone Jésus-Christ. Quand il ouvrit le quatrième sceau, Tango afungoli ndanga ya mine, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Nayokaki mongongo ya ekela munabomo ya mine go ezala ki koloba yaka. J'ai regardé. Et natalaki, et voici Paris, un cheval d'une couleur pâle. Tala punda ya langi na mai na pondu ebimaki.
Celui qui est monté s'est nommé la mort. Oyo amataki likolo na yango kombo na ezalaki kufa. Et les séjours de mort l'accompagnaient. Pe mokili na bawa ezalaki kolanda ye. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre. Pe makoki epesamelaki bango na eteni na mine na mabele. Pour faire périr les hommes par l'épée. Pona koboma bato na mopanga. Par la famine. Na nzala. Par la mortalité Naliwa, et par les bêtes sauvages de la terre. Na banyama ya zamba na mokili. Que Dieu bénisse les lectures. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Souci où tous allés, kusala musala ezali que Zambia protégé yo devant. La séduction nyonso ya mabele. Les soucis qui nous animent dans les services, c'est que le Seigneur puisse te protéger contre toutes les séductions de la terre. Zambe a bomba yo vraiment. Que le Seigneur puisse vraiment te garder. Voyez, enseignement, les alliés, grâce. Maîtriser l'enseignement, c'est une grâce. Et il faut que l'on ait un bon Zambe mingi. Il faut que ça soit. Ce qui micro, monsieur Zalibo Pessier, il faut tenir vraiment la parole aux Zaliko Yoka. Vraiment tenir à la parole que tu écoutes. Yangonde Koyeba protéger. Et c'est cette parole qui saura comment te protéger. David Azalaiko Sambera, Seigneur, donne-moi l'intelligence enfin que Naz a bien enseigné. Na ba précepte na yo. L'intelligence d'être bien enseigné de ses statuts ou de sa parole. Donc pose la bien enseigné comprendre la parole. Pour que tu sois bien. Oui, toujours continuer par la grâce de Dieu. Il faut que tenir bien la pensée où nous avons besoin de service. Parce que Dieu est tellement grand. Libanda naïe mon continu soit zalité. Vraiment veuillez nous excuser pour tous ces désagréments.
Mais nous savons que le Seigneur est là pour nous enseigner. Il faut avoir l'esprit calme et tranquille dans les services. Sache que le Seigneur est là pour nous accompagner dans l'œuvre. Et c'est ça son service. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. C'est ça le travail de Dieu. Et c'est ça son œuvre. Dieu bénisse. Amen. Et nous allons dans le quatrième saut. Et nous sommes dans le quatrième saut. Et là, il faut simba d'abord. Ce qu'il faut d'abord saisir, bien aimé. Isaac, le quatrième saut, il en a deux étapes. C'est que le quatrième saut a deux étapes en lui. Première étape. La première étape. Combat wana ya cheval pâle. Le combat du cheval pâle. Oyo asangisi balangi misato. Qui rassemble toutes les trois couleurs des trois premiers chevaux ou premiers sauts. L'église a sa combattu na esprit. Et l'église est combattue par cet esprit. Yango totalisaki na Apocalypse 17, la femme prostituée. C'est pourquoi nous avions montré dans Apocalypse 17 la femme prostituée. Une femme dans la Bible va présenter comme une femme d'abord. La femme dans la Bible est d'abord présentée comme une femme naturelle. Mais elle a aussi signe y a tout un peuple. Mais qui est aussi le signe de tout un peuple. Elle a aussi signe d'une église. Et comme le signe aussi d'une église. Femme aussi elle a signe aussi alliance. Et le signe aussi d'une alliance. Femme a signe alliance. La femme comme alliance. Par rapport à Galates 4, verset 21 à 27. Par rapport à l'écriture de Galates, chapitre 4, le verset 21 à 27. Bazo présentait deux fils d'Abraham. On présente deux fils d'Abraham. Par rapport à deux montagnes. Par rapport aux deux montagnes. Même si Abraham a plusieurs fils. Même si Abraham avait plusieurs fils. Hein, le langage est allé par rapport à Ismaël et Isaac. Mais le langage est par rapport à Ismaël et Isaac. Là-bas, ils ont présenté ma femme comme allégorique. Et là-bas, on présente ces femmes-là comme des signes qui représentent une réalité. Une alliance. Donc, elles étaient les signes d'une alliance. Et Agar Azalagi comme mon Sinaï, la loi. La femme esclave Agar représentait le mont Sinaï qui est la loi. Et Sarah Zaki comme Jérusalem d'en haut, Jérusalem céleste. Et la femme libre Sarah représente la Jérusalem céleste. Elle a dit sa grâce. Et elle représentait la grâce de Dieu. La femme a dit ça aussi l'église. Et la femme représente aussi l'église. Otali Ephésiens 5. Tu remarques dans Ephésiens 5. À partir du verset 22e, tu es dans 33e. À partir du verset 22 jusqu'à 23. On a le frère Paul a enseigné la parole. Là-bas, le frère Paul enseigne la parole. Il faut que moi, si je suis soumise à selon le Seigneur, comme le Seigneur n'est pas mon mari. Il montre que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Et les maris doivent aimer sa femme. Les maris doivent savoir aussi aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Le coup la Christ a lingaka l'Église. On a présenté l'Église comme une femme. Et là-bas, on a présenté l'Église comme une femme. C'est comme aussi dans Apocalypse 21, verset 9. C'est comme dans Apocalypse 21, verset 9. L'ange Azobenga Jean. L'ange appelle Jean. Alors il vient, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Yaka na kola kisayo, moi si alibala, moi si amo anapate. A transporté dans une grande et haute montagne. Et l'ange transporta Jean sur une grande et haute montagne. Et il a vu la ville Jérusalem. Et Jean a vu la ville Jérusalem. Ça, ce sont des témoignages. Wanes animatatoli. Moi, si je compare à une église. Et la femme est comparée aussi à une église. Maintenant, enseignement à ma B. Maintenant, le faux enseignement. Et d'aller s'accorder prostitution.
montre que la représente la prostitution. Parce que Azoso a semence en dehors, il y a vrai mari. Parce que la femme reçoit la semence en dehors du vrai mari. Il y a autant qu'on va présenter dans Apocalypse 17 une femme prostituée. C'est pourquoi lorsqu'on a présenté une femme prostituée dans Apocalypse 17, tu remarques que a fendu les couleurs une bête, il y a 10 corps. On avait remarqué que la femme était assise sur une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et cette bête description est Ésaïe en Apocalypse 13, dans verset 2. Et la description de cette bête est dans Apocalypse 13, le verset 1 à 2. Azo sangisa lion, l'ours, léopard. Cette bête réunit le lion, l'ours et le léopard. Mais tous au monde la femme a fendu les colonnes. Mais nous voyons la femme assise sur cette bête. Sokotangi maintenant le verset 15e, il y a Apocalypse 17. Maintenant, si vous lisez le verset 15 d'Apocalypse 17, comment on a que les prophètes azomona kaka la femme assise sur les eaux. Les prophètes ne voient que la femme qui est assise sur le eau. Mouvement amona qui la bête. Le mouvement de la bête. Amoni sur bête, amoni kaka la femme y est mon corps. Jean n'a plus vu la bête, mais il n'a vu que la femme elle-même. Cela veut dire la bête est dans cette femme. Cela veut dire que la bête était dans cette femme. Au moins, nous sommes au verset 7e. Vous voyez, en lisant le verset 7, Apocalypse 17, d'Apocalypse 17, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'ange me dit, mais moi je lui ai mis signal. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Et qui a les 7 têtes et 10 corps. Mais ce qu'on est dans le verset 15e. Maintenant, venant au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, la femme, l'ikoloya, les eaux. Donc, on voit la femme assise sur le seau. Oh, l'ikolo ya les eaux, c'était la bête. Apocalypse 13, verset 1. Or, sur les eaux, c'était la bête qui était assise, selon Apocalypse 13, le verset 1. Nazo lobane wana ponani. Pourquoi j'ai dit ceci? Pour la bête, totalisaki, la bête, c'est toute une puissance d'abord. Parce que nous avions montré que la bête, c'est d'abord une puissance. Depuis temps anciens. Depuis les temps anciens, bien-aimés. Il y avait des puissantes nations. Et ça là qui n'a dit kolo ya mkuya. Oui, ça là qui dominait la terre. Qui dominait toute la terre. Totalisaki. On avait montré. D'abord, premièrement, c'est la puissante nation du Bozo, c'est l'Égypte. La première puissante nation de la terre comme l'Égypte. Après l'Égypte. Et après l'Égypte. Et ça là qui Assyrie. C'était le royaume d'Assyrie. Oui, et tel est ce que la Syrie n'a pas remplacé l'Égypte. Ce qui nous prouve que c'était la Syrie qui remplace l'Égypte. Nous voyons qu'à Isaïe 10, verset 26. Nous prenons l'écriture d'Isaïe 10, le verset 26. L'écriture de la Bible. L'écriture nous dit ceci. Isaïe 10. Isaïe chapitre 10. Verset 24. Ésaïe chapitre 10, le verset 24. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Oh mon peuple, qui habite en Sion. Nazana verset 24e à Ésaïe 10. Je suis au verset 24 d'Ésaïe 10. Ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Donc avant que la Syrie ne vienne frapper le peuple de Dieu, il y a quoi attaquer le peuple de Dieu, d'attaquer le peuple d'Israël. Oui, avant. C'est lui qui était avant. C'est l'Égypte. C'était l'Égypte. Mais
maintenant, tant que nous avons joué ça à Syrie, maintenant, lorsque le Seigneur fait tomber la Syrie, Azolobana Isaïe 14, verset 29, le Seigneur dit dans Isaïe 14, le verset 29, a présenté comme les serpents. Le Seigneur les présente comme les serpents et c'est ce que j'ai toujours l'habitude de répondre. Dans verset 29, hein? Au verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins. Mais c'est que la verge qui te frappait est brisée. Là, le Seigneur parle de la chute de la Syrie. Maintenant, ils ont expliqué à Syrie. Maintenant, comment est-ce qu'il explique la Syrie? Alobi. Il dit, car de la racine du serpent, sortira un basilic. Donc, Atalisi, la Syrie, tant la couille. Le Seigneur a montré la Syrie lorsqu'elle tombe. Et ça, tout un serpent. Donc, c'est tout un serpent qui est coupé. Mais à tiki toujours souche naïe. Mais qui a laissé sa racine ou sa souche. Ni ne goya pour remplacer. Qu'est-ce qui va remplacer? Basilic. Un autre serpent qui est le basilic. Maintenant, toujours comme on a un basilic dans Jérémie 8, verset 17. Maintenant, nous venons voir le serpent basilic dans Jérémie 8, le verset 17. Jérémie 8, verset 17. Car j'envoie parmi vous des serpents. Des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Remplacer la Syrie. Donc, le royaume qui vient remplacer la Syrie est aussi un serpent. Basilic. Et on l'a appelé basilic. Or, le royaume qui avait remplacé la Syrie, c'était l'empire babylonien. Nous faisons bien entendre pouvoir à Babylone. Le pouvoir de Babylone. C'est tout un serpent. Et ça, nyonka, mobimba. Il est bien dans une forme, il y a comme un lion dans Daniel 7. Et ce même serpent-là qui a pris la forme du lion dans Daniel 7. C'est l'incarnation du diable. Pouvoir sur la terre. Donc ce pouvoir-là lorsqu'il règne sur la terre. Il y a autant de prophéties, il y a Babylone et Jérusalem. C'est pourquoi lorsqu'on prophétisait sur la chute de Babylone, du temps d'Esaïe, là même lorsque Babylone n'a pas pris le règne de la terre. Mais prophète a kokomona. Mais le prophète peut voir la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Alors le prophète Esaïe voyait déjà la chute de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Si vous lisez le verset 4 d'Esaïe 14, si vous lisez le verset 4 d'Esaïe 14, alors qui prononcera ces chants sur le roi de Babylone? Ici on nous parle de roi de Babylone. Maintenant écoute la manière dont on parle de ces rois. Verset 12. Je prends le verset 12. Et voilà tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc, l'événement qui s'était passé chez Satan, on a parlé aussi dans la vie de Babylone du temps de sa chute. En réalité, ça veut dire que Babylone, mais le ministère de Satan a été. Ici, vraiment, on parlait sur Babylone qui avait le ministère de Satan en elle. Parce que lorsque sa chute s'accomplit, on dit ainsi. Au verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur. Chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Comme un rameau qu'on dédaigne. Nazan Isaïe 14, verset 19. Comme une dépouille des gens.
Des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse. Comme un cadavre foulé aux pieds. Donc, Bazotanisa, c'est chute ya Babylone. Donc, ici, on nous parle sur la chute de Babylone. Sokozu, verset 22, je me leverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'en ai attiré les noms et la trace de Babylone. Nakote le mapo na kopundi sabango elobi yawen sabbe, pe nakoye bakosi misakombo, pe oezali trace ya Babylone. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Bazo lobe la Babylone. Mais on parle de Babylone. Mais Bastien Moussala na kata Babylone ya Satan Mobimba. Mais on avait investi dans Babylone le ministère de Satan. Donc le serpent. Donc il y a Nyoka. Je veux que vous compreniez la manière dont la Bible est. Après Babylone. Après Babylone. Eza na Médo-Perse. Il y a l'empire Médo-Perse. Donc, à partir de Babylone, Daniel a reçu un message au Tolobela qui a Daniel 7. C'est à partir de Babylone que Daniel reçoit le message de Daniel 7 dont nous avions parlé. Donc, le comme lion va apparaître dans Daniel 7. Donc, l'animal qui paraît semblable au lion dans Daniel 7, c'est toujours le serpent. Et Zakaka Nyoka. Les malins. Moto Yamaël et Matin. Tala Lolengi Bazo présente encore. Roi à Babylone, Jérémie 51-34. Remarque encore la présentation du roi de Babylone dans Jérémie 51, le verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Nebuchadnezzar, mon contre Babylone, allait ingal. M'a détruite. A baby singal. Il a fait de moi un vase vide. Yé a salina imbe qui a pamba. Tel un dragon. Yé loko la dagona. Zoumane Bazo comparer ce roi-là. Vous voyez comment on compare le roi de Babylone. Aza vraiment n'est qu'un dragon. Il est tel qu'un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais déprécié. Il m'a chassé. Donc, le roi là, c'est toute une bête. Donc, le roi de Babylone est toute une bête. Comme un lion. Le col à cause. Mais il est aussi comme un dragon. Mais Aza fait le col à dagona. C'est pourquoi si tu viens d'Apocalypse. Dragon bazo présenté d'Apocalypse 12. Le dragon qu'on nous présente dans Apocalypse 12. La femme. Qui combat la femme. Azapena 10 cornes et 7 têtes. Ce même dragon là a 10 cornes et 7 têtes. A se déversé dans la bête d'Apocalypse 13. Et ce dragon là s'est déversé dans la bête d'Apocalypse 13. Apocalypse 13, Bazana. 10 cornes et 7 têtes. Et la bête d'Apocalypse 13 a en elle aussi 10 cornes et 7 têtes. Quel un dragon. L'olenge moko kaka na dagona. Est-ce que vous me saisissez bien? C'est comme tant aux hommes à Jésus le premier-né. C'est comme lorsque nous voyons Jésus le premier-né. Du côté de Dieu. C'est lui qui m'a vu à vie les mères. Oyo amoningai yé amoni tata. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Soko Monika Kaye, c'est le Père. Si tu vois seulement Jésus, c'est le Père lui-même. Nangamba diable aussi. Et du côté du diable, Satan lui-même. Il y a le fils de la perdition. Et Zalina Mwana, le bébé. Tel un dragon. Oya Koukani Penza Nadagona. C'est pour ça qu'on prend une Bible. Est-ce que vous comprenez la Bible telle qu'elle? Parce que nous avons dit que tanga kana sepela kotanga po écriture ne koyede yo. Parce que j'aime lire parce que c'est l'écriture qui va t'aider à la compréhension. Yango moni natalisa kibino na Genèse 3 verset 1er. C'est pourquoi je vous avais montré Genèse 3 le verset 1er. Baloba ki le serpent azala ki le plus rusé de tous les animaux où ezala ki dans les champs. On nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Que serpent ça n'a rien simple plus on a plus on n'a pas dit que le serpent était simplement rusé mais on a dit il était plus rusé et le bélouane et l'ingolo bakébaniama ou monsieur tigali et zapé barisé ce langage représente que les restes des animaux des champs étaient aussi de rusé donc tout tambour la kinayango on
On avait marché avec cette pensée. On avait montré que les puissantes nations qui dominent la terre représentent les serpents. Les dragons. Dagona. Mais ils s'incarnaient. Mais les dragons qui s'étaient incarnés. Dans un pouvoir qui s'appellerait Égypte. Après Égypte. Ils s'incarnaient dans la carte Assyrie. Après l'Égypte, dans la Syrie. Après la Syrie. Après la Syrie. Nous sommes en Babylone. Nous voyons l'empire babylonien. Nyonsoana, c'est le serpent. Et tout cela, c'est le serpent. Ils en étaient donc changé bilamba. C'est comme les serpents qui ne changent que de costume. Alati elamba Égypte. Aujourd'hui, la portée, le costume d'Égypte. Tant qu'on a châtié Égypte, après Égypte, aïe menan anzotoya, bah, Assyrie. Lorsque le Seigneur fait tomber l'Égypte, il vient dans le corps appelé Assyrie. Et lorsque la Syrie tombe, il vient comme Babylone. Azana musala sala ki nakati ya Babylone. Il a l'œuvre qu'il avait accomplie dans Babylone. Les travaux qu'il avait accomplis dans Babylone. Et tous les travaux qu'il avait accomplis dans Babylone. Et même mina la bête oyaza comme lion, l'ours, léopard. A été transposé dans la bête qui est semblable au lion, à l'ours et au léopard. Moussala, ou après Babylone, c'est Médo-Perse. Donc après Babylone, Médo-Perse. Et ça, non, Moussala, au diable, à Saraginagata, Médo-Perse. Il y a l'œuvre que le diable avait accomplie dans l'empire Médo-Perse. Sokotangi, Daniel 11, Sokomonayango. Si tu lis Daniel 11, tu vas voir cette œuvre. C'est parce que tu as vraiment attenté. C'est parce que nous n'avons pas assez de temps. À combattre les peuples saints aussi. Il avait aussi combattu le peuple saint. Même si tu lis Daniel 8, Azawana Nakat. Même si tu lis Daniel 8, il est là dedans. Après, Perse et Zana, Grèce. Après l'empire Médo-Perse, c'est l'empire grec. C'est un serpent. Il est aussi un serpent. Asazaki, plus risé que les autres animaux. Oui, Asazaki, maillé les mabés collés Kabanyamamisu 60. Et Zana travaille où yo. Le diable a travaillé dans la carte en Grèce. Il y a l'œuvre que le diable avait accomplie dans cet empire-là grec. Maintenant, tous ces animaux-là, Banyamawana Nios, va se retrouver dans Apocalypse 13. Se retrouve maintenant dans Apocalypse 13. Cela veut dire, Etenia Moussala Ozomona Nakata Babylone. C'est-à-dire la portion de l'œuvre de Satan que tu vois dans Babylone. Oyomoni na Médo-Perse. Que tu vois dans l'empire Médo-Perse. Oyomoni na Grèce. Dans l'empire grec, la femme prostituée a fendu les colonnes à l'amour de base. La femme prostituée est assise sur cela et c'est cela son fondement. Parce qu'il est assis sur cet animal là. Pour moi, si on a nous pas fendu les colonnes à maman et à bouton de Satan, cela venait à mon moment à moi. Si on a cela venu lorsque tu vois cette femme aux hommes en avant couleur et à l'ibosu à cheval à l'ibosu et à mi balé et à mi sato. Tu dois voir vraiment la première couleur, la deuxième et la troisième couleur des chevaux mélangées. Kunana Apocalypse 6. Là-bas dans Apocalypse 6, va présenter ma image, mais Esa, l'esprit antichrist. On a présenté que des images ou des symboles, mais c'est l'esprit de l'antichrist. Mais cet esprit agit dans le corps. Mais cet esprit de l'antichrist agit dans le corps. C'est pourquoi je vous ai dit les actions que vous voyez dans Apocalypse 6. Il y a pas chez vous. Les chevauchements. Nion Suezan Nakata Apocalypse 17, Nakata femme prostituée. Toutes ces actions-là se retrouvent dans la femme prostituée dans l'Apocalypse 17. Si tu lis, tu vas remarquer ce qu'on appelle mal vendre. Et ça, vin impudicité. Donc c'est son vin de l'impudicité. Elle domine toutes les nations. Elle domine toutes les nations. C'est ça, il part toujours en vainqueur pour vaincre. Donc, ce qu'on a même au Kéti Apocalypse 18. Si tu lis même jusqu'à Apocalypse 18. 17, 18. Bazo Tarissa Moussala, qui est l'antichrist esprit. Et Zoussala, dans les corps appelés femmes prostituées, Babylone la Grande. Dans Apocalypse 17 et 18, on nous montre l'œuvre que l'antichrist accomplit dans le corps appelé la femme prostituée Babylone. Nangambu mena paix à Jésus-Christ. Maintenant, du côté aussi de Jésus-Christ. Jésus, Jésus-Christ.
Christ. Bible le Bible. La Bible dit ceci. Verset premier à Luc 10. Le verset premier de Luc chapitre 10. Je le lis. Au nom de Jésus-Christ. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Nasimana wana kolo atanga ki lisusu baye koli tuku sambo. Cela veut dire les disciples bazalaki 82. Cela veut dire qu'il y avait 82 disciples en. Donc à soi 12. Il avait pris d'abord les 12. Après cela, le Seigneur désigna encore. Donc il rajouta 70 autres disciples. Donc 70, 70 autres disciples. Dans la barre 12 après 70. Donc 12 disciples plus 70. Et les enseignants, ils envoyaient deux années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc c'est là que Bazan était ambassadeur. Donc ils sont comme les représentants de Christ. Et c'est ici qu'il voit ça là. Donc c'est là où lui devait être. Mais il envoya. Mais il leur envoya devant lui. C'est pourquoi nous disons que Dieu nous prêche quand nous écoutons un ministre. Le Seigneur travaille en nous. Il est ensemble avec nous dans l'église. Il travaille. La fausse église paie. Et la fausse église de même. Où est sa femme prostituée? Qui est la femme prostituée? Les diables travaillent. Maintenant, les malins, papé, si est combo, na quatrième saut, la mort. Maintenant, le malin, au quatrième saut, on l'a nommé la mort. Lorsqu'on l'a appelé la mort, tu dois savoir c'est quoi la mort. La mort est liée directement au mensonge. La mort est directement liée au mensonge, le kouta. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes, alors qui est Nazaline, c'est là solo pebomoy. Dans Jean 14. Dans Jean 14. Verset 6. Au verset 6. Si tu t'iras dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Donc la parole a la vie. Donc la parole a la vie en elle. Maintenant, contraire à la parole. Maintenant, le contraire de la parole. Fausse parole. L'Ilobamabe a mort. Donc a aussi la mort en elle. Vous suivez attentivement. Mort, c'est le travail nion sur la fausseté. Et cette mort-là, c'est tout le travail ou le service de la fausseté. Oyona police 17 babé nyango 20 ya impudicité. Qu'on a appelé dans Apocalypse 17 le vin de l'impudicité. Donc l'idée à Oyeza Yamabe. Un faux enseignement. Yamoto Pesaki Proverbe 21, verset 16. C'est pourquoi nous avions donné Proverbe 21, le verset 16. Toloba qui boye par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à dina kombo Jésus Christ. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Repose dans l'assemblée des morts. L'assemblée des morts, il a séjour des morts. L'assemblée des morts, c'est ça le séjour des morts. Les gens vont se retrouver là-bas s'ils rejettent la sagesse. Mais Dieu a pourvu à l'église la sagesse. Mais le Seigneur a pourvu à l'église sa sagesse. Il y a une Bible le bien dans Ephésiens 3. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 3. Autant qu'il y a un combo dans Jésus Christ. Amen. Il y en a qui est toujours malin, mais pour vous saisir. Je désire aller petit à petit afin que vous me saisissiez. Bible le bien. La Bible dit. À partir du verset 6. À partir du verset 6.
Ce mystère, c'est que les païens, nous lisons au nom de Jésus-Christ, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Libomba mi yango ezali ete bapagano mpe bazali kosangola libula elongo na Kristo, bazali kosala nzoto moko mpe bazali kokutama na elanga na kati ya Kristo Yesu na nzela ya sango malamu. Donc j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Sango malamu oyo ngai nazali motei kolandisa likambo ya ngolu ya Nzambe. Ministère ba se comparaka te na ministre mosusu. Dans le ministère on ne se compare pas avec un autre ministre. Mais un don ya grâce. Kasi ezali likambo ya ngolu ya Nzambe. Nzambe asali o briller plus que sa grâce. Si le Seigneur fait que tu puisses briller plus que les autres, c'est sa grâce. D'ailleurs la connaissance est rendue simple et humble. D'ailleurs, la connaissance suit celui qui est simple et humble. Si tu vois quelqu'un qui a de la connaissance mais orgueilleux, c'est qu'il n'a pas encore connu. Non, il ne connaît pas encore ces choses. Jésus lui-même, la connaissance était humble. Jésus lui-même, la connaissance faite chair était humble. La connaissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, vous il s'est humilié. La Bible dit ami kitisaki. Humble. Asalaki motokomi kitisa. Je suis comme un serviteur orgueilleux, il n'a pas encore connu Dieu. Si tu vois un serviteur orgueilleux, c'est qu'il n'a pas mis sa main. C'est un sujet de prière au sein de la bonne à bongo la motema. Et ça lui pensa mon côté à l'ibonde li po a bongo la motema. Ataza n'a pas titre ni. Même s'il a quel titre. Ne manque pas de mentionner son nom dans tes prières afin qu'il se répande. Parce que ça orgueilleux. Oui, t'as sali monte à le fond. Orgueil, ça nature, on zamba kani makasi na izaide. L'orgueil, c'est la nature que le Seigneur a vraiment la rancune dans Isaïe 2. Dans Isaïe 2. A koko ki sango na sixième saut. Et le Seigneur va l'accomplir au sixième saut. A ko faire tomber tour ya orgueille. Le Seigneur va faire tomber la tour de l'orgueil. Nando koma na sixième saut komo na yango. Lorsque nous arriverons au sixième saut, nous allons le voir. Et si aussi dans ta vie on ressentir aux osala comme un orgueilleux. Et ce qui si dans ta vie tu te sens que tu as toujours des attitudes des orgueilleux. Faut beaucoup plier pas Nzambe. Et c'est dit le la makasi na mabonde le pankolo. Parce que ça nature à diable. Parce que c'est la nature satanique. Ce n'est pas la nature de Dieu. Et ça dit le lenge à bon Nzambe. Et comme mon kaka na liwa. Et cela va t'amener à la mort. Dieu résiste aux orgueilleux. Nzambe a tellement aimé la kabato lolendo. Il fait grâce aux hommes. Et à ça la kangolo na ba ibami kitisaka. Un orgueilleux, le Seigneur a dit qu'il a été abandonné à la magamboise au contraire de la vérité. Le Seigneur pousse toujours les orgueilleux à faire des choses contraires à la parole de la vérité. Parce qu'il résiste à Kabango. Parce que le Seigneur les résiste farouchement. Dieu comme ça. Ça passe à Bongo. Et le vrai orgueilleux. Un Timothée 6, verset 3 parle de lui. C'est celui qui enseigne des faussetés. Monte à zoté à l'okuta. Même si tu prends un curé de l'église catholique, même s'il parle doucement. D'après 1 Timothée 6, 3, c'est un orgueilleux. D'après 1 Timothée 6, 3, Azamutalo Lendo. La Bible continue. La Bible continue. À moi qui suis le moindre de tous les saints, verset 8. Ngayo yo nazali moke katikata ba santu nyonso. Ephésiens 3. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ngolu oye salamelingai yako te ya bapagano bozui oyo bakoki kososola te ya Christo. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ve na kotia na polele nini yango ezali. Le verset 10 est merveilleux. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église
la sagesse infiniment variée de Dieu. Bwanya oyo ebongwana ya Nzambe zanga sukate. Ba principauté nyonso bazana kati ya dragon. Donc, Apocalypse 12. Toutes les principautés qui sont dans les dragons d'Apocalypse. Dans les lieux célestes. Na makolo. Parce qu'il y avait un grand signe à apparaître dans Apocalypse 12. Parce qu'il y avait un grand signe qui était apparu dans Apocalypse 12. Et une femme azala qui est enceinte. Moi si mon quoi azala qui na mutumba. Cette femme enceinte entendit sa capisse l'église. Et cette femme enceinte représente nous l'église. Parce que tu vois qu'à Jean 16. Parce que nous prenons Jean 16. Verset 24 dit. Verset 20 dit dans verset 24. Le verset 20 jusqu'au verset 24. Jean 16, verset 20, 24. Jean 16, le verset 20 à 24. Et l'écriture est sur le moyen. L'écriture dit ceci. Nous disons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez. Et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Maintenant, il a comparé Bissou. Maintenant, il veut nous comparer. Moi si. À une femme. Quand, lorsque la femme, lorsqu'elle enfante, moi, ce sont éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de saint qu'un homme est né dans le monde. Likolo ya esengo azala kanango na lolenge moto moto mwana bote na miye. Jésus a talisi likabwese de makana maternité ce qui maman liko bote. Jésus a représenté ce qui se forme dans la ce qui se passe dans la maternité. Passion ya yo kaka. Les douleurs qui elle éprouve. Bendenge azala kanaka ta passion. Et comme aussi elle est dans cette tristesse. Et soka boti mwana. Mais si elle donne naissance à un enfant. Abosa na ka passion na kominise. Elle oublie ses souffrances et elle est dans la joie. De aïe. Dans verset 22. Maintenant, il vient au verset 22. Toujours à Jean 16. Toujours de Jean 16. Vous donc aussi. Donc, à moi si on entend qu'on n'a pas sa bobota, ils ont le col à Bino. Il prend cette femme-là dans les douleurs de l'enfantement et les compare à nous, l'église. Donc, Jésus a comparé l'église à une femme enceinte dans l'air à travail. Et Jésus compare l'église à une femme enceinte du temps de son accouchement. Et femme ou dans l'air accouchement à un apocalypse. Et cette femme-là, enceinte, est dans Apocalypse 12. Tout en y a un verset premier. Nous le lisons au verset premier. Un grand signe parut dans le ciel. Et le moment comme mon aîné est talisama qui n'a pas. Une femme enveloppée du soleil. Moi si mon corps a la timo il colle là-bas. La lune sous ses pieds. Satan a si à ma colonne. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Peu montolé à mitzoto zominami balena moutou. Voilà. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Jésus déjà l'obé là qui moi si en Jean 16. Avait déjà parlé de cette femme dans Jean 16. La colobella église. Donc Jésus parlait de l'église. Maintenant c'est un signe du ciel. Toujours dans le ciel. Toujours dans le verset 3. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et le momosusu etalisama kina makolo. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Etala ezala kida kona monene ya motali. Ayant sept têtes et 10 cornes. Oya ezala kina mitu sambope masekezo. Et six têtes, sept diadèmes. Pe lina mitu na ye sambo mitole sambo. Parce que sokozui sept diadèmes na mikolam tout. Parce que si vous prenez sept diadèmes ou sept couronnes sur ces sept têtes, bah sept têtes, on est Elisaka, bah royaume et amabile. Donc ces sept têtes-là représentent les nations de la terre qui sont du côté du dragon. Ils ont Égypte. Donc comme l'Égypte. Ou l'Égypte, vous en avez Assyrie. Vous prenez la Syrie. Après Assyrie, vous en avez Babylone. Après la Syrie, Babylone. Après Babylone, ils en avez Médo-Perse. Après Babylone, Médo-Perse. Après Médo-Perse, ils en a Grèce. Après l'Empire grec. Après Grèce, ils en a Rome. Après l'Empire romain. On a Babéniango, Rome politique, ou bien Rome païen. Et là, on l'appelle comme Rome de la politique.
pouvoir ebandaki même avant Jésus aya pe Jésus ayo kuta yango. Le pouvoir que Jésus était venu trouver. Mais et la kamaki na verset 3e ya Apocalypse 13. Mais il était dit au verset 3 d'Apocalypse 13. Mon corps ya ba tête ya bête osoka. Mais l'une des têtes de la bête sera blessée. Or la tête est comparable na royaume mobimba. Or la tête est comparable à tout un royaume. Tant que mon corps ba tête osoka. Lorsqu'on dit que l'une des têtes sera blessée à mort. Mais l'obéli mosusu na Apocalypse 17 balobi la bête que tu as vu. N'est plus. Dans un autre langage, il y a Mayaouli au Monaki Azali sous soute. Mais il y a pas les traces. Kasi Akobimaka. Tamo Komina n'est plus. Donc, quand la bête n'est plus Azali sous soute. Et Zalo l'engue pouvoir empire romain et Banzanaki. C'est comme l'empire romain qui était disloqué. Nani a remplacé. Et qui l'a remplacé? Vatican. L'empire romain papal. Amen. C'est comme ça que les c'est comme ça que les choses. Il est dans un verset 11e et Apocalypse 13. Et c'est le Vatican ou la pire romain papale qui est au verset 11 d'Apocalypse 13. Nous disons ces choses parce qu'elles sont écrites. Écriture, faut une bayango. L'écriture, tu dois les savoir. Que personne ne te trompe. Mais il faut une bayango. Mais il faut savoir. Et comment quand à l'air moko. Il arrivera un temps. Oyeza comme Rome papale et vous disparaître, Oyeza qui avant ne pas apparaître. Que Rome religieuse va disparaître pour laisser apparaître l'homme, le Rome politique. Nous allons parler de tout cela dans le calme par la grâce de Dieu. On avait vu par exemple le roi Nebuchadnezzar. Zambé a présenté comme tout un arbre. Le Seigneur l'avait présenté comme tout un grand arbre. Dans Daniel 4. Dans Daniel chapitre 4. Atindaki parmi l'un de ceux qui veillent. Le Seigneur avait donné l'ordre à un de ceux qui veillent dans les cieux. Abattez cet arbre. Kasi abattez la missisa. Donc Nebuchadnezzar, tango une année après, a cotisé. Et une année après, Nebuchadnezzar est entré dans la forêt. A tiki place naïe. Nebuchadnezzar a cédé sa place. Ma lokola nyama. Mais il est devenu comme une bête de chien. Mais après, a kozonga li sous sa place naïe. Mais après, il réapparaîtra pour occuper encore son trône. La bête qui était n'est plus. Oya sala qui a sa li sous mais réapparaîtra. Amen. Nathan va disparaître. Lorsqu'elle disparaît, Apesiesika na bête Oyaza comme Vatican. Elle cède. Papauté. Elle laisse la place à la bête qui est comme Vatican ou Rome religieuse. C'est ça. Yango anande. Nakati na yango. Donc c'est là. Il faut yebake. Puissance politique. Il faut savoir que cette bête aussi, quoique religieuse, détient la puissance politique. Ah oui, c'est ça l'écriture. Yambote li komi. Sokotangi. Si tu lis, la femme a fendu l'icolo ya bête. La femme est assise sur la bête. Cette femme a zana royauté l'icolo ya ma roi nyon sur terre. Moi si wana zali na mokoti l'icolo ma koumou nyon sur ma bête. C'est le verset 18e. Et Zali, Zela, il y a 18. Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17. Bah, le Bible est en train de déterminer cette femme. On dit ceci lorsqu'on est en train de décrire cette femme. Verset 18. Hein. Le verset 18. Apocalypse 17. Et la femme que tu as vue. Pe moi si oyomoni. C'est la grande ville. Et Zali Mumba Monet. Qui a la royauté sur les rois de la terre. Oyo asalina bokonzi likola ba kumunyo sur mabelo. Bokonza na roi na tana pays na mabelo. Tu peux être roi dans n'importe quel pays de la terre. Moi je suis asali kolona yo. Sache que cette femme est au-dessus de toi. Bonne année. Pourquoi? Écriture le Bible. Parce que c'est l'écriture qui l'affirme. Et cette femme c'est Rome. Et cette femme c'est Rome. C'est l'écriture des ennemis. Et c'est l'écriture qui nous le fait apparaître. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. Na verset 9e. Au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Awande mayele o ezali na bwanya. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mitu sambo oyo ezali bangomba sambo likolo ya wapi mwa siafanti. Rome. Rome, oui, Rome, vraiment, il y a Rome, il y a en Italie. Rome, vraiment, qui est en Italie? Il
entouré na cette montagne physique. Est entouré de cette montagne naturellement comme ça. On est déjà prophétie le baki. La prophétie en avait déjà fait mention. Donc, Vatican, place Fandi. Donc, Vatican, où il s'est entouré vraiment dans cette montagne. Azinda mi peta na bangomba sapo. Bakoki mangote, c'est l'écriture. Ils ne peuvent pas s'en soustraire, c'est l'écriture. Ata babandela qui catholique na France. Même si on avait commencé l'église en France, la Nice, au concile de Nicée, mais pas finir car quoi par rapport à l'écriture. Mais ils ont fini par accomplir l'écriture. Ils sont venus s'installer tel que l'écriture. Ils ont quitté la France pour l'Italie à Rome. La Bible ne ment jamais. Lorsque ces choses s'est passées, l'église catholique n'était pas encore née. Jésus, c'est l'enseignement. Jésus prêchait. Attention, les vins des pharisiens. Jésus leur expliquait le faux enseignement du pharisien. Dans Matthieu 23, c'est dans Matthieu 23, bien-aimé. Azomé n'a pas pas tombeau blanchi. Et il est rappelé aussi, Jésus prêche la parole. Jésus prêche la parole. Laisse la parole. Critiquer les gens, laisse ça. Atali Rome. Il a regardé Rome. Abengena. Comment est-ce qu'il a appelé? Rena. Jésus te camille au bois. Jésus, laisse te critiquer. Jésus, je camille au bois. Laisse te critiquer les gens. Dis la parole. Prêche ta parole. Oui, mais c'est bon. C'est lui qui prêche la parole. C'est lui la parole faite chair. A pointé Matouboye. Il a pointé les gens. Renard. Mboisamba. Des paroles, des à moi. La parole faite chair elle-même. Maintenant, soyez les imitateurs. Qu'est-ce qu'on s'en va mécoli à Christ? Nous allons dans la parole. Suivant, c'est très important. Donc, il faut simba bouiller. Tu dois saisir ceci. Nazo tambo la bouiller. Je marche ainsi. Pour et faciliter yo. Que cela puisse te faciliter. Pour comprendre que pouvoir n'y a sur un serpent. Que tu puisses comprendre que tout le pouvoir. Oui, tamboli nakata. Babylone, Médo-Perse, Grèce, et nakata monsieur. Ces pouvoirs-là qui étaient dans Babylone, Médo-Perse, Grèce, se retrouvent dans cette femme. Maintenant, toute domination. Maintenant, toute domination. Dans les liens célestes. Namakolo. Dans les liens célestes, c'est ça, Apocalypse 12. Un autre signe, Paris. Donc, dans les lieux célestes, c'est ça, un autre signe qui parie dans le ciel. On voit un dragon. Azan est qui est au ciel. Mais Azan a 10 cornes dans cette tête. Mais qui a 10 cornes dans cette tête? Cette tête, Nyon, Soezan, a diadème. Et toutes ces 7 têtes-là ont des couronnes, ma motolé. Donc, il y a une puissante nation, Nyon, Soezan, qui n'a pas béré. Cela veut dire que tout les Zalaka couronné. Couronné. C'est là qu'il faut dominer. Cette nation-là dominée. Mais parce qu'on les a liés dans le diable. Mais on voit ces nations-là être liées au diable. Mais dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes. Éphésiens 3 et le 8. Éphésiens 3 dit. Les principautés. Par les dominations. Par dans les lieux célestes. Connaîtront. Que l'église a la sagesse infiniment variée de Dieu. Église a salina boania oya nzambe salina balangi ebele zanga sou. Parce que nous avons Ephésiens 3, nous avons Zouangona Apocalypse 12. Parce que je prends Ephésiens 3 avec Apocalypse 12. Comment va reconnaître que l'église a la puissance, a la sagesse infiniment variée de Dieu? Comment connaîtront-ils que l'église a la puissance, la sagesse infiniment variée de Dieu? Banani va reconnaître. Qui vont les connaître? Donc les dominations là. Oui, ça n'a dragon. Qui sont avec les dragons? Réellement, réellement cette œuvre là est celle du Seigneur.
C'est ça Ephésiens 3. Parce que je veux que vous sachiez que l'église ne tombera jamais. Même les dominations, même les dominations doivent savoir que même si elles combattent cette femme-là, elles n'arriveront jamais à lui ravir son enfant. Le verset 10. Il y a Ephésiens 3. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, tout ceci, ils ont des dragons avec 7 têtes et 10 cornes. C'est les dragons qui a 7 têtes et 10 cornes dans les lieux célestes. Apocalypse 12. Connaisse aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée des dieux. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Que Dieu bénisse. Amen. Donc l'église du Seigneur. Sa supériorité. Même les diables voient Aïbama. Même les diables doivent le savoir. Je prends un exemple. Il y avait 7 fils de Sepha. Et ça là qui n'a pas dans mes balles, Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Bah, démons et attaquer cette fils on est quatre bango babiramba. Les démons ont attaqué ces fils et les ont déchirés de vêtements. Maintenant écoute les démons. Nous connaissons Jésus. Toyebi Jésus Christ malade. Nous connaissons Paul. Toyebi Moussali ne Paulo. Ce sont des principautés. Les amis babo kunzi. Des esprits. Bamilimo. Ils connaissent Paul. Bayemi Paulo Moussali en colo. Si c'était Paul qui faisait la délivrance, on allait partir. C'est ce que les démons confessaient. Mais vous, les êtes. On partira pas. Si c'était Paul avant de partir, on allait sortir de ses corps. Nous reconnaissons une puissance. Nous reconnaissons en Paul la puissance du Seigneur. Ce sont des principautés qui les esprits mauvais. Et c'est ce que Paul a dit dans Ephésiens 3. L'esprit n'y a pas dans les lieux célestes, mais élevé. Il y a mon éternel. Toute domination, autorité élevée dans les célestes. Et puis, vraie église. Connaissent la vraie église du Seigneur. Ces esprits-là connaissent que le peuple tel détient la vraie parole. C'est le Seigneur qui permet, il avait posé à Satan, d'où viens-tu? Est-ce que mon Job est? N'as-tu pas vu mon serviteur? Il est mon serviteur. Celui qui m'obéit sur la terre plus que lui n'existe. Qui le présente? L'éternel. L'éternel lui-même. Que diable a ébahé. Que le diable puisse connaître Job. C'est Dieu. Et ça ensemble. Et Paul a prêché que toute domination, autorité, principauté, par l'église, il y a une puissance. Connaîtront par l'église la puissance. La sagesse de Dieu. Maintenant, quand tu dis que l'église était tombée, où est-ce que tu vas mettre ces versets? Pour confusion, parce que la confusion, c'est lorsqu'ils voient quelques personnes entrer dans la fausseté. Jean veut dire. Ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas les nôtres. Après, on dit pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. C'est ça la position de l'église. La puissance de l'église. Hollanda enseignement est belé, la bateau, on a pas la semaine, rétablissement de l'église. On a suivi beaucoup d'enseignements avec comme le thème qu'au télévis ecclésia.
Si le Seigneur te fait grâce de le voir, comment est-ce qu'il se met en colère quand tu prêches comme ça? Quand tu dis que l'église était tombée, faut qu'elle soit relevée. Écoute la manière dont Paul prêche dans Philippiens. Verset 6. Le verset 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Donc, quand nous avons ça, lorsque le Seigneur travaille, c'est lui qui travaille. Il ne va pas laisser son œuvre inachevée. Le Seigneur rendra parfaite son œuvre. Paul prêche dans 1 Thessaloniciens 5 en disant verset 23. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Zambé yakimia yemoko apito la bino na mo. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Est-ce qu'on a dit que c'est toi-même qui feras cette œuvre-là en toi? Lui qui t'a appelé. C'est lui qui te rendra irrépréhensible au jour de son avènement. Tu es en train de te moquer de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, ils ont été architectes, mon gars, c'est comme un architecte qui construit. Et ta maison là que tu bâtissais là est tombée. Je ne sais pas si les gens mesurent la gravité de leurs paroles. Doit insister, boy. Nous insistons comme ça. L'église a la puissance. La sagesse infiniment variée. L'Église détient la puissance de la sagesse infiniment variée de Dieu. Proverbe 21, verset 16, et le dit, l'homme, où est-ce qu'on s'écarte la sagesse? Mon Dieu a sali qu'au tangwa, moussi quand c'est là, yabouanya. Afin d'un ensemble de morts. Elle repose dans l'ensemble des morts. Suivant attentivement. L'ensemble des morts, c'est les séjours des morts. L'ensemble des morts de Mokilia. Yamawa. Les séjours des morts, ce sont toujours des autres puissantes nations qui suivent les diables. Hein, les séjours des morts, tomo kiliyamawa, ils allaient bikolo misuso, ils allaient bikola na satana. Nangambo à l'église. Du côté de l'église, ce sont des fausses églises où ils ont imité l'enseignement des femmes prostituées. Du côté de l'église, ce sont de fausses églises qui imitent l'enseignement de la femme prostituée. Parce que bah, osala en alliance. Parce qu'elles seront en alliance. Et Dieu bénisse. Amen. Yango tam tozo tala na quatrième saut. C'est pourquoi lorsque nous remarquons au quatrième saut, bah, osala mention au verset 8. On fait mention au verset 8. Je pense que tout tamboli. Je pense que nous avions marché de la manière à ce que tous sachent que l'église ne tombera jamais. La mort n'entrera jamais dans l'église. Parce que l'église détient la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est l'enseignement véritable. La raison des choses dans les Écritures saintes. Maintenant, je vous ai montré ceci. Le combat de l'ennemi. Il rassemble toutes
son pouvoir parmi les nations d'antan dans la femme prostituée. La femme prostituée qui est l'église catholique romaine. Voici Dumba Oezali, église Yaba Mupe na Roma. Mais Mais nous voyons clairement les choses parce que nous détenons la sagesse de par Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais il faut savoir que lorsque l'église est enlevée, il y a des choses qui se passeront après le départ de l'église. Il y a des choses qui se passeront après le départ de l'église. Après ce départ, l'écriture nous montre. Lisons encore Apocalypse 8. Verset 8 maintenant. Le verset 8. Totangi na kombo na Yesu Christ. Amen. Apocalypse 6, 8, verset 8. Le verset 8. J'ai regardé, voici Paris, un cheval d'une couleur verdâtre. Nazala ki kota la pe na moni e bimi punda moko ya langi lokola maya pondu. Expliquer en on avait expliqué cela. Et Moussa l'agneau se faisant la première son, la deuxième son, la troisième son, ils en a quatre à cheval rouge. Pas si couleur pâle, ils ont ça qui s'appelle couleur nuance. Nous avions dit que les actions de tous les trois précédents chevaux se retrouvent dans le quatrième cheval qui les renferme tous. Yango peut au moins que la bête a sanguissé lion, l'ours, léopard. C'est pourquoi nous avions vu la bête renfermer le lion, l'ours et le léopard. Au verset 2 d'Apocalypse 13. On avait lu Apocalypse 17. Au verset 6e, tu es dans 7e. Au verset 6 jusqu'au verset 7. Monique, la femme a délindé cette bête-là. On avait vu que la femme prostituée était assise sur cette bête. Mais Bazui va présenter maintenant Nicolo et Abamaï. Mais on l'a présenté sur le zoo. Batangi bête. Et on n'a pas fait mention de la bête. Pas présenté à Zali Kolo. On a présenté que la femme sur le zoo. Or, sur Apocalypse 13, verset 1. Or, en lisant Apocalypse 13, le verset 1. C'est la bête qui est au-dessus des eaux. Et Zali Yamawana Yaouli Dazali Kolo Amaï. Ozali Kolo Yamaï. Maï, Ezaba peuple, ba nation. Donc être sur les eaux, c'est-à-dire les eaux représentent les peuples, les nations et les langues. Et la bête là, c'est une puissante nation. C'est l'Empire romain. Donc Ezali, l'Empire romain. Que Dieu bénisse. Amen. Mais la place naïe. Maintenant sa place. Au-dessus des eaux. Nicolas Maï. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Si est la femme prostituée. On a placé la femme prostituée. Et Nicolas va cette bête là ensemble la femme. Cela veut dire que cette bête est de mèche avec cette femme. Et en gros, toujours Talissa. C'est pourquoi nous montrons que les trois natures là, il y a lion, l'ours, léopard. Toutes les trois natures du lion, l'ours et du léopard. Et ça, c'est la femme prostituée. Se trouve dans la femme prostituée. Le lien est moko omoni couleur, il y a bimbe, il y a makila, na ya mwindo. De la même manière, vous allez voir la couleur blanche, rousse et noire. Il y a trois premiers sons. De trois premiers sons. Et on se sent la dernière son. Toutes ces couleurs se retrouvent dans le quatrième son. Omatibunda. Donc ces cavaliers-là. Kombonae, la mort. Son nom, c'est la mort. L'Iwa. C'est la mort. On a montré la mort. Et ça, contraire à la vérité. Donc c'est ce qui est contraire à la vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. Bien-être. Et Jean chapitre 1er le dit que la parole n'a qu'à de vie. Et Jean chapitre 1er dit que c'est dans la parole qu'il y avait la vie. Et tant au longoli écriture de Dieu. Et lorsque tu enlèves l'écriture de Dieu. T'es parole ma paix. Où tu prêches mal la et parole. Et mensonge. Cela devient mensonge. Si Jean 8. Si tu prends Jean 8. Au bandé à partir verset 44. Yé sazo solo la naba. Ba pharisien. À partir du verset 44, quand Jésus s'entretenait avec le pharisien. A présenté bango ke papa na bango asa Abraham te. Le Seigneur leur a dit que leur père n'était pas Abraham. Ce qui papa n'a pas c'est Abraham. Si ils avaient Abraham pour père, Abraham. Ils accompliraient les œuvres d'Abraham. N'attendez à partir du verset 39. Je donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit.
Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parmi Abraham, ils ont aussi la dîme. Parmi les œuvres d'Abraham, il a aussi donné la dîme. Ils ont parmi Abraham. Donc, quand c'est les œuvres d'Abraham, ça serait aussi l'acte de dîme. Abraham a donné aussi la dîme. Verset 40. Le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité et j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Dieu. Le col a commis un père esprit. Comme ils ont quitté le père charnel vers le père qui est esprit. Parce que Dieu est esprit. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Atelemelaka la parole de Dieu. Il ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Ceux qui mutazo atelemelaka la parole de Dieu. Si quelqu'un s'oppose à la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Oui, que il obatsambe de Jésus-Christ. Sokolongoli Jésus-Christ. Si tu enlèves Jésus-Christ, Zamba komi baba. Dieu reste muet. Et parce qu'il y a des paroles de Dieu. Parce que c'est lui la parole. Dieu ne va plus parler. Il ne va plus parler. Parce qu'il y a Koloba de Jésus-Christ. Parce que Dieu parlait, c'est Jésus-Christ et la parole. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. On va séparer Moutou Tena Malobanaï. Tu ne peux jamais séparer un homme de sa parole. Si moi je fais sortir une parole, on dira c'est frère Kiala qui a dit. Parole na yo, ils ont porté identité na yo. Ta parole porte l'identité de ta personne. Ta parole, Jésus est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, verset 42, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables. C'est pourquoi nous disons. Les diables ne les avaient pas engendrés de la chair. Mais comme ils avaient le désir de tuer Jésus, et s'identifier à l'œuvre du diable. Et cet acte-là s'identifiait à l'œuvre du diable. Vous avez pour père le diable. C'est pourquoi il leur a dit que votre père c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Cela n'est pas ainsi. C'est toujours le diable. Celui qui avait tué en Éden, c'était toujours le diable. Adam. Il avait tué Adam par la parole. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père des mensonges. Si tu suis les paroles que Satan avait dit devant la Bible, et c'est ce que Jésus-Christ reprend dans cette écriture.
Le Seigneur a mis ce qui attend. Le Seigneur avait dit à Adam, Mokolo yo kolia okokufa. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yalobi. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Okokufa kate. A télémé les paroles. Il s'est opposé à la parole de Dieu. Il faut dire la gaille qu'un jour okolia okokufa parce qu'il n'a pas de bakiambo. Il fallait toujours rester dans si tu manges, tu mourras parce que c'est le Seigneur qui l'avait dit. Kokufa il n'a pas être séparé de la vie. La mort c'est la séparation d'avec la vie. Adam tasima ya kozanga kotosa omoni azotambola. Même si tu vois Adam marcher après sa désobéissance, azaki séparé de Dieu. Akabona ki nanzambu azali bon. C'est ça mourir d'abord. Ya bonde liwa na ye. De la même manière nous voyons des gens sur la terre qui ne reçoivent pas la parole. Bazaba kofi. Ils sont des morts, des cadavres. Vivre. Mais ils vivent. Azana besoin ça le voyage d'ailleurs ceux qui n'ont Hong Kong vos vols. Ils ont besoin de voyager pour la Chine. Ils prennent le voyage et partent. Mais Azana mon couche. Mais c'est un cadavre. Boyami parole te. Parce qu'ils n'ont pas ou ils n'ont pas reçu la parole. Ce que Dieu avait dit à Adam est la vérité. Mais le malin a bâti kaka. Vous ne mourrez point. Mais le diable n'a ajouté qu'à beaucoup de le Seigneur, comme le Seigneur l'avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Moïse, et Moïse qui avait écrit ces choses a remarqué que Adam est mort à 930 ans. Il a remarqué que Adam est mort physiquement à l'âge de 930 ans. Selon Genèse 5, verset 5. Hein? Selon Genèse 5, le verset 5. De Alobi, c'est que pour Dieu, c'est pourquoi 1000 ans égale un jour. C'est pourquoi Moïse lui-même a chanté pour Dieu 1000 ans égale un jour. Alors, Oli, bah, zéro. Moïse n'a pas enlevé les zéros dans 1000 ans. Hein? Non. Oli. Abi 1000 ans. Et comme comparable à un jour. Bafula koto moko et kokani na mokolo moko. Et un jour, ils ont aussi comme 1000 ans. Pe mokolo moko et kokani na bafula koto moko. Pona nino zorbaga ga longoli si. Loba son amisa yon moko. Loba peke a bakisi. Mais il faut dire aussi qu'il a ajouté le 3-0. Isaac a côté mon côté. Ce n'est pas seulement d'un seul côté. 1000 ans un jour. 1000 ans un jour. Un jour comme 1000 ans. Un jour 1000 ans. Tu vas seulement de ce côté, il a enlevé les zéros. Retournons, il a encore ajouté 3 zéros. Ils ont un raisonnement. Ma canisse a pas tort. Il faut que tu aies une portion que vous avez apprécié. Il faut prêcher dans la portion que le Seigneur t'a donnée. Et David, Moïse a imbaqué. Moïse l'avait chanté dans le psaume 90. Dans le psaume 90. Moïse l'a chanté. 1000 ans pour Dieu est comme une veille de la nuit. Voilà, quand on manque pour Nanzambe, ça y est, le col à mon col, il y a l'objet des cas. Mais, ah, il faut y baquer le malin, le diable, c'est un menteur. Mais ici, tu dois savoir que Zabo Lazani monte à l'Okuta. Mensonge. L'Okuta. Ils ont qu'on s'opposer à la vérité. C'est s'opposer à la vérité. C'est ça la mort. Il y a mon déliwa. Monte à Mozala dans la mort. Quelqu'un peut être dans la mort. L'enseignement est mabé. Dans un mauvais enseignement. Azo sambe la pomme tabi comme tu pas biki. Mais il prie pour les guérisons et ça s'opère. Azo prophétise. Il prophétise aussi. Bah, parce qu'il y a un problème à Kobo tabi bah, et ceux qui étaient aussi stériles reçoivent des enfants. Mais bah, fanine na séjour des morts. Mais ils sont des fidèles de l'assemblée des morts. L'idée est mabé. Un mauvais enseignement. Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui prêchent que Jésus n'est pas Dieu. Et tous ceux qui font là, c'est ça la mort. Koufa. Jésus a dit dans Jean 17. Jésus a dit dans Jean 17. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah, c'est ça. Il faut nous comprendre. Il faut que tu comprennes que ce qui muto soso ni kolote aux analiwa. Que si quelqu'un ne comprend pas le Seigneur, il est dans l'assemblée des morts. Que Dieu bénisse. Amen. Na continue kotanga. Je continue ma lecture. Le pouvoir leur fit donner sur les cartes de la terre. Makoki epesameli bango na eteni moko na
pour faire périr les hommes par la paix, par l'épée, par la famille, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est que va considérer Mabélé n'est quatre quarts. Parce que c'est comme si on a considéré comme si la terre a quatre parties. Oui. Maintenant, le pouvoir est PSM lié à la quart de la terre. Maintenant, le pouvoir lui est donné sur une partie seulement parmi les quatre. Cela veut dire trois quarts. Cela veut dire les trois parties seront épargnées derrière la bête. Mais un quart quatre. Persécuter. Va le diable ou la bête va persécuter la famille. Na mortalité, liwa, na épée, mupanga, na bête sauvage, pe na kutinde la bagoba nyama samba. Pour entendre comprendre, on faut toujours Apocalypse 13. Pour comprendre cela, il faut lire Apocalypse 13. Abi boya kosa na marque de la bête. Celui qui va manquer la marque. Akosombate. Il ne va ni acheter. Adomoni par la famille. Ah là nous voyons la famille. Oya kwadorete, akubomaye. Dans celui qui ne va pas adorer. Adomoni par la mortalité. Là nous voyons la mortalité. Cela veut dire quart de la terre. Cela veut dire cette seule partie parmi les quatre de la terre. Et les trois compagnons de Daniel. C'est comme les trois baninga misato ya mosakoli Daniel na Babylone. Tant bazalaki ensemble. Lorsqu'ils étaient ensemble. Songe ya Nebuchadnezzar ezalaki. Il y avait les songes du roi. Mais ezalaki fermé bato bazavoye bate. Mais c'était un songe fermé dont on ne connaissait l'explication. Ezalaki mystère de l'iniquité. Ezalaki libomba mi ya mosala ya mabe. Ezalaki kolobela ba royaume où ezalaki comme marche ya serpent. Et ce songe là parlait du royaume qui était comme la marche du serpent du royaume. Personne n'a pas compris dans mon terre. Et personne ne pouvait le comprendre sur toute la terre. Daniel va que prier. Mais Daniel, ils sont allés à prier. Le Seigneur a ce mystère de l'iniquité à dévoiler. Le Seigneur leur a révélé ce mystère de l'iniquité. Daniel a sa place, on a éliminé la vraie église. En cet endroit-là, Daniel représente la vraie église du Seigneur. Et l'homme est un combo, mais pas battre mon sous. Ce qui était caché chez d'autres personnes. Mais Daniel doit le voir. À cause de sa révélation. Et à cause de sa révélation. À boutique à niveau, c'est pour un matin, à niveau cour royale. Daniel doit laisser les lieux bas pour monter dans la cour royale. C'est ça notre enlèvement. Il y a moins de lignes au bassin. Mais il était ensemble avec trois compagnons. Mais il était ensemble avec ses trois amis. Oyo ba babylonien bazako benga Shadrach, Meshach, Abednego. Que les babyloniens appelaient du nom de leur dieu Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ce qu'on a dit dans le texte, Daniel azako benga bango Anania, Azaria, Mikaël. Mais Daniel leur appelait de leur nom des enfants d'Israël. Parce que ba kombonyo so nezo ba komba ba faux dieu. Parce que les noms qu'on leur avait donné à Babylone Shadrach, c'était les noms des idoles Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego. Abednego. Une maman qui enfante son fils donne le nom Abednego. Ils ont parfois ignorance. Ils ont peut-être. Mais ça, quand tu dis à ton fils, tu es un Dieu étranger.